Est-ce qu'on a libéré Vanda ou alors c'est la merde? Incroyable. Oh, la gentille Vanda. Je savais que tu y arriverais. On a réussi, génial. Et Agatha qui est Bienvenue chez contente. toi. En tout cas, c'est cool maintenant, on a Vanda dans la team. Explorer le domaine de N'est pas l'église. Eumaïba actuellement, mais nous avons besoin d'elle à nos côtés. Alors comme ça, notre petit toutou enflammé s'est comporté en héros? Les invocatrices d'Hydra ne peuvent pas venir à bout d'un petit portail des limbes. Sans blague. Banner a vraiment libéré son Basquiat intérieur sur ses murs. Mais je dois avouer que je ne dépense Qu'est-ce qu'il pas a fait? beaucoup Qu'est-ce qu'il a largué sur les murs? Il a chié sur les murs, c'est ce que tu es en Si train de seulement dire. je pouvais voir la tête de Banner quand il réalisera qu'on lui a chippé ce truc. Tu crois qu'il va brandir le poing On en a gagné criant Vanda. maudit sois-tu! Vanda qu'on Ah! n'a pas Ça fait un peu cliché, je beaucoup sais, mais combattu au ça me final. fait jubiler. Plusieurs d'entre nous ont contribué à l'extraction de l'accélérateur, Tony. C'était un travail d'équipe. Bien sûr, on a tous mis la main à la pâte, comme on dit. Et ce qui importe, c'est que nous l'avons battu. On l'a frappé en plein cœur et il ne peut même pas nous rendre le coup. Je vous laisse profiter de votre trophée, Tony. Merci. Il ne me reste qu'à trouver un moyen de le faire rentrer dans la forge. Cette merveille va me tenir éveillé toute la nuit. Oh putain, tu venais de retrouver le Mes sauts de sommeil. protection ne fonctionnent plus? Tout va bien. Vous êtes en sécurité désormais. Je ne vous ferai aucun mal. Mais si c'est moi qui te faisais du mal? Oh, t'inquiète. Ça n'arrivera pas. Mais on était... J'ai... Ce n'est rien. Vous êtes juste un peu déboussolé. Vous Ça êtes va un passer. peu bipolaire, Vous êtes schizophrène de sur les retour à la bords, vie mais... avec vos amis. Voilà, vous avez failli décrire l'univers deux ou Je trois sais que vous fois, êtes mais bon, déjà il y a des rencontrés, choses mais qui arrivent. moi, c'est Hunter. Désolée, je ne me sens pas très bien. Je n'ose même pas imaginer ce que vous avez enduré. Je suis sûre que vous vous sentirez mieux après une bonne nuit de sommeil. Mais comment trouver le sommeil? J'ai fait des choses horribles. Lilith vous a forcé la main. Vous n'y êtes pour rien. On a gagné Pourtant, une je me belle suis sentie dépressive forcée. Jusqu'à ce que tu... de plus. C'est toi qui as absorbé les ténèbres qui étaient en moi, n'est-ce pas? Tu m'as sauvée. Oui. Comment fais-tu pour tenir encore debout? C'est bon. Laissez-la respirer un peu. Je sais ce qu'on va faire. On va fêter ça. Fêter quoi? Bah, ton retour. Désolée, Nico, mais je suis épuisée. Je devrais plutôt aller me reposer. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas dormi. Ouais, tu devrais te reposer. On parlera demain matin. Je t'aime, Wanda. Moi aussi. Allez-y, roulez-vous une pelle. Wanda nous a fait beaucoup souffrir. Tu penses que je peux quand même lui faire un cadeau de bienvenue? Je voulais juste te dire merci pour ce que tu as fait pour Wanda ce soir. Attends, tu viens de me remercier? Toi? T'as levé la malédiction que ta mère lui avait jetée. Mais le plus dur reste encore à faire. Que veux-tu dire? La chair guérit beaucoup plus facilement que l'âme. Il lui faudra du temps pour se remettre de tout ça. Si tant est que ce soit possible.
Je suis pas certaine d'avoir réussi à surmonter mes traumatismes. Pas entièrement, en tout cas. Je ne crois pas avoir guéri de ma dernière rencontre avec Lilith, moi non plus. Manquer de se faire tuer par sa propre mère, ça laisse de sacrées traces. Tu demanderas à Nico. Je pensais pas dire ça un jour, mais je suis contente que tu sois là. Ton âme a traversé l'enfer comme la mienne. Elle a été forgée dans le feu et la douleur. Ce qui te donne sans doute un aperçu de ce que Wanda a enduré. Elle aura besoin de notre réconfort. Bon, voilà pour les remerciements. Bonne nuit, Hunter. Dors bien. Ouais. Nous devons manipuler l'armure de l'enfant démoniaque avec la plus grande précaution. Allez, c'est bon tout ça. Ok, il va être grand temps de se changer, putain de merde. Voilà, de se remettre en pyjama. Allez, c'est bon. J'oubliais qu'à chaque fois qu'on gagne une mission, on peut parler. Je ne pensais pas que tu en serais capable, Hunter. Tu as réussi à libérer une camarade déchue des griffes de la mère des démons. Ce n'était pas une mince affaire. Ça t'embouche un coin, ça. Je sais que tu es en colère, mère. Mais je pourrais peut-être utiliser ce sortilège pour te libérer également. Hunter, aucun sortilège ne peut me guérir. Et puis, tu n'as pas sauvé Wanda. Tu l'as renvoyée auprès de ceux qui l'ont abandonnée. Mais j'admire tes efforts. J'ai libéré mon ami. Et toi également. Tu sais aussi bien que moi que mon âme ne peut pas être purifiée. Bruce avait raison. Il n'y a qu'une seule solution. Tu l'as absorbé, n'est-ce pas? Ouais. Inutile de répondre. Je le sens. Et j'ai remarqué la fissure dans ton collier. Combien de temps penses-tu qu'il va tenir? Enfin, les barrières entre nous s'effondrent. Mec, je t'ai privé l'un de tes déchus les plus puissants. Je l'ai soigné. Ne compte pas là-dessus. Parlez avant. Alors, normalement, on avait rendez-vous avec Nico. Sacre bleu. Oui, merci. Tenue d'héroïne. Voilà. Ensuite, pas. Comme on a une vie de tous les jours, j'ai envie de porter autre chose. Parce que ça, c'est pas que c'est moche, mais c'est moche. On a vraiment gagné des trucs. Voilà, ça c'est très bien. Voilà, comme je le disais, on avait rendez-vous avec Miko. Où est-ce qu'on va? On passe du temps ensemble. On s'amuse, quoi. Tu sais t'amuser, toi? Ça m'étonne. Quoi?
Je pensais que ton passe-temps favori, c'était d'embêter Docteur Strange. Faut dire que c'est une cible facile. Mais parfois, j'ai simplement envie de me promener avec quelqu'un qui ne me considère pas uniquement comme un portier interdimensionnel. Et peut-être que je te trouve sympa, ok? Vraiment. Mais avant de parler d'amitié, il y a certaines règles à respecter. Bien sûr. Mes règles, je suis hétéro. Il est d'ailleurs interdit de se toucher les cheveux. On partage pas nos repas et surtout, on se donne pas de surnom. C'est bien clair. Ça me semble raisonnable. Marché conclu. Et je te promets de ne pas m'approcher de tes cheveux, Illy. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu préfères peut-être Ilyanushka. Oh, tu m'énerves. Au fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce nouveau statut social? Ça sert à rien d'en faire tout un plat. T'es démoniaque, mais dans le bon sens. Des fois, ça me plaît. Le personnage a juste l'air d'être complètement stone. Nous sommes amis. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce nouveau statut social? Je peux utiliser un autre terme si tu préfères, comme acolyte. Niveau 3 d'amitié avec Magic. J'avais pas spécialement envie d'être ami avec celle-là, mais bon. On a presque maximum avec Stark. Lui, il lui reste un jour d'art récupéré. De toute façon, elle reviendra pas avant deux jours, celle-là. Elle, ça a bien monté aussi. Faut qu'on parle à Wanda, ouais, on va la tester un peu dans une mission. Ça me semble pas trop mal comme idée. Elle va mieux. Elle aussi la prochaine fois. Ouais. Ouais. Alors. En vrai? Celui-là est très stylé aussi. Ouais, elle a des couleurs cool. Et ça aussi, c'est cool. Ouais. C'est quoi cette tenue de base, c'est ça? Mine de rien, ça serait sympa. Changer de tenue tous les jours, voilà. Ça serait sympa de la voir un peu se changer de temps en temps. On peut parler à Wanda et on va aller parler à Wanda. Il y a un chat ici? Non. Je sais que tu l'es. Hunter, c'est toi? Ah, j'ai oublié ça. Tu te souviens de ça? C'est le premier jour où on t'avait pété la gueule. Bon souvenir, tu trouves pas? Oh, c'est toi. Hunter, c'est ça? Désolé pour hier soir. Un joli rookie, en tout cas. Eh bien, j'espère que vous avez pu récupérer. Tu crois vraiment que j'ai réussi à dormir après ce qui m'est arrivé? Non, Hunter, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais assise dans mon lit, à regarder la lune. J'ai l'impression qu'elle va m'attendre dans mes rêves. C'est bizarre, non? Moi aussi, j'ai du mal à trouver le sommeil. Ces griffes sont plantées en nous. Je les sens qui grattent. Tu as peut-être réussi à me libérer de son emprise. Mais elle ne renoncera pas à moi si facilement. Ni à toi, d'ailleurs. J'ai quelque chose à te dire. Quand tu as absorbé les ténèbres qui étaient en moi, j'ai eu une vision. Quelle vision? De ce que j'ai vu, il s'agissait d'un temple ancien avec des tentacules gravés dans la pierre. Il s'allongeait comme s'il voulait étrangler le monde. Je pense que c'était le temple de Kton. Vos visions se réalisent en général?
Vos prémonitions se réalisent en général ? Toujours. C'est pour ça qu'il est primordial que tu me laisses t'aider à l'arrêter. Êtes-vous vraiment en état ? Vous ne voulez pas prendre le temps de récupérer ? Tu veux m'aider à guérir ? Laisse-moi punir Lilith pour ce qu'elle m'a fait. Ce qu'elle nous a fait. Attendez. Laissez-moi y réfléchir. C'est tout ce que je demande. Je ne suis pas aussi fragile que j'en ai l'air, tu sais. Je peux y arriver. Tout ce que je veux, c'est votre bien-être, Wanda. Je ne pense pas que je connaîtrai à nouveau le bien-être un jour. Mais je peux veiller sur celui des autres. Je suis une vraie pipelette, n'est-ce pas ? Je ne voudrais pas te retenir. À vrai dire, j'aimerais en savoir plus sur vous. Moi aussi. Allez, tout le monde est prêt pour du background ? J'aimerais en savoir plus sur vous. Très bien. Parlez-moi de votre passé, Wanda. La magie du chaos s'est éveillée en moi lorsque j'étais enfant, en transi. Je protégeais mon père des attaques de la foule. J'ai vite appris à quel point l'humanité peut redouter ce qu'elle ne comprend pas. Mon frère jumeau a ses propres talents. Quand la population s'est attaquée à nous, nous avons fui sans nous retourner. Nous avons utilisé nos pouvoirs pour survivre. Non, on reste dans le lore X-Men, ça c'est cool. Destin. Mais Pietro et moi n'avions pas les mêmes méthodes. Et où est-il maintenant ? Toujours en transi. Il veut croire en un monde où la populace ne s'en prend pas à un enfant qui n'est pas comme les autres. Je ne partage pas son optimisme. Où êtes-vous allé alors ? J'ai parcouru l'Europe. Je me suis réinventée. J'ai vécu une vie paisible, exploré les limites de ma magie. C'est comme ça qu'Agatha m'a trouvée et que j'ai découvert la source de mes pouvoirs. Elle m'a proposé de venir ici pour m'apprendre à mieux les contrôler. Oh, nous avions tant de projets. Que pouvez-vous me dire de votre magie ? La magie du chaos est dangereuse par nature. C'est le pouvoir utilisé par Kton lui-même. Le sorcier suprême n'a pas le droit de s'en servir. Elle est imprévisible et corrompt ce qu'elle touche. Sauf en ce qui me concerne. Je ne laisse aucune marque sur la réalité. Et je l'utilise sans peine depuis l'enfance. Je suis l'exception à la règle. Pourquoi est-elle donc si dangereuse ? Si je le désire, je suis capable d'altérer la réalité, ou même de la détruire. Et malgré ce que je pensais, je peux en perdre le contrôle. C'est ce qui s'est passé avec Agatha. Est-ce qu'on pourrait parler de votre journal, celui qui détaille tous les mystères de l'abbaye ? Oh, je suis tellement navrée. Pourquoi ? Ces notes, je les avais écrites pour moi. Je suis surprise que tu les aies comprises. À vrai dire, non, pas vraiment. Pourriez-vous m'aider à les déchiffrer ? Je suis désolée, Hunter. Ce journal a fini par être responsable de la mort d'Agatha. Je ne peux pas me replonger là-dedans. Plus maintenant. Ok, bah c'est pas grave. Je me posais quelques questions sur ce qui vous est arrivé après votre départ. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que ça fait d'être l'élève de Docteur Strange ? Je ne réalise pas encore vraiment. Après Agatha, je ne pensais pas que qui que ce soit m'encouragerait encore à utiliser ma magie. Avec les pouvoirs que vous avez ? Je me demande bien pourquoi. Ce n'est pas l'image que j'ai de moi. J'ignore si je serai jamais plus qu'une petite transienne perdue. Je ne méritais pas l'attention d'Agatha. Bonjour. Alors pourquoi la sienne ? Transienne, pardon. On dirait presque que vous ne tenez pas à être son apprenti. Non, c'est un immense honneur. J'ai tant appris en si peu de temps. C'est juste que je ne pense pas pouvoir me montrer à la hauteur de ses enseignements. Oui, Hunter ? Bon, on a bien fait connaissance. Nous discuterons plus tard, Wanda. Je crois que ça suffit comme ça. Avec plaisir. Voilà. On peut parler à qui, à quoi ? Magic encore. Bien donc. Et ça pas parle. Hey Hunter, viens à la forge. Il faut absolument que tu
vois quelque chose. Ce n'est pas Strange en pyjama, mais je te tiendrai au courant si jamais ça arrive. Il a des pantoufles assorties avec les bouts qui rebiquent. Un vrai petit lutin du Père Noël. Mais ça n'a aucun rapport. Viens à la forge, d'accord ? L'ambiance d'accord. est bizarre. Hey, c'est quoi, je peux te demander un service ? Effectuer un combo héroïque avec Magic au combat. Je crois qu'on a toutes nos chances de remporter cette guerre, Hunter. C'est grâce à toi. On verra ça. Strange est encore plus bizarre que d'habitude depuis Quandai. Alors qu'est-ce qui se passe, les gars ? Très bien, Hunter. Au travail. De tous les accélérateurs gamma que j'ai pu voir dans ma vie, c'est sûrement le meilleur. Ça, c'est de l'opération. J'aurais bien réussi à vous parler, réussie. En fait. C'est une sacrée victoire pour chacun d'entre nous. En effet, nous en avions besoin à de nombreux égards. Bah parlons, vous voulez me parler. Ça ne fait aucun doute. Cela faisait bien longtemps que je ne m'étais pas réveillé sans voir de nuages noirs se profiler à l'horizon. C'est un changement bienvenu. Nous avons récupéré l'accélérateur Gamma et ramené Wanda à la maison. Pas étonnant que vous soyez d'humeur moins sombre. Je suis ravi que l'accélérateur ne soit pas tombé entre les mains de Lilith. Cela dit, les espoirs de Tony sont voués à l'échec. Rien n'empêchera la prophétie de s'accomplir. Seul Kton peut arrêter Kton. Mais nous y reviendrons plus tard. Aujourd'hui est un jour d'espoir. L'avenir est encore sombre, mais vous avez raison de profiter autant que possible de ce que nous avons. L'échec précède la réussite, la réussite précède l'échec, c'est un cycle. Pour l'heure, nous chevauchons la vague. Nous savourons notre victoire en priant pour que le prochain creux ne nous engloutisse pas. J'aimerais poursuivre cette conversation, mais j'ai encore beaucoup à faire. Beaucoup trop, mais je vous remercie tout de même. Portez-vous bien. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Alors. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux d'avoir récupéré l'accélérateur Gamma. Franchement, ça change complètement la donne. Mais il est trop tôt pour distribuer des petits cadeaux. Si on ne trouve pas Johnny Cheveux de Feu et le parchemin de pouvoir, ce truc ne servira qu'à allumer le barbecue. Oui, des bonnes merguez à l'énergie Gamma. Pas du tout cancérigène. Si on ne récupère pas le parchemin des mains de Johnny Blaze, on finira tous en barbecue. Bien alignés sur un tournebroche au-dessus de notre monde en ruine, pendant que des lilins attendent leur festin la bave aux lèvres. Voilà une image parfaitement détaillée qui ne risque pas de venir me hanter ce soir quand j'essaierai de m'endormir. Merci Hunter, sympa. De rien, et vous pensez vraiment être capable d'empêcher la prophétie si on récupère le parchemin? Grâce à toi, mon intérêt pour la magie a un peu évolué. Pas être simple, mais je pense que c'est possible. Votre confiance illimitée fait plaisir à voir, Tony. J'aimerais en avoir un peu. Oh, prends-en autant que tu veux. J'en ai assez pour toute l'équipe. De toute façon, peu importe la suite, toute cette histoire a déjà porté ses fruits. Ah bon ? Comment ça ? Eh ben parce qu'en ce moment même, je vois un accélérateur gamma. Et Bruce Banner voit un endroit vide où se trouvait l'accélérateur Gamma. Il nous faut à tout prix le parchemin de pouvoir. Ok, là c'est parti. L'abbaye connaît un regain d'énergie. Alors, tu crois que Stark va réussir? C'est risqué, très risqué. Je suis d'accord, ce type est un génie. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on mise tout sur ce pari. S'il réussit, toutes nos prières seront exaucées. Et s'il échoue, on devra faire face à l'enfer sur Terre. Éviter un point de requête. Vous voulez participer à cette discussion, Hunter ? Refaire le... la falaise mystique. Le balvédère agréable. Le pilier gigantex. Non. Parlons plutôt. Cap et moi étions en train de parler de Tony. Je sens une pointe d'hésitation dans votre voix. Eh bien, en fait, j'ai déjà vu Tony dans cet état.
Quand il a une idée en tête, il en oublie tout le reste. Et parfois, ça lui réussit. Il peut diviser une molécule et faire tomber la pluie dans le Sahara. Mais compte tenu du danger qui nous menace, nous ne pouvons pas nous contenter d'un plan presque parfait. Sans quoi nos pertes pourraient être terribles. Je suis totalement convaincue que Tony sait ce qu'il fait. Il avait promis de trouver un moyen de me permettre d'affronter Venom. Et il l'a fait. Quand il a fallu traverser la barrière d'énergie, c'est Tony confiance en ton mec, Franny. J'ai appris à ne pas douter de lui. Personne ne peut réaliser que des sans-fautes, pas même Tony Stark. L'un de ses plans finira par échouer et nous devons nous tenir prêts. Alors, que comptez-vous faire? Vous opposez à Tony? Je vois pas à quoi ça nous mènerait. En dépit de notre scepticisme, nous sommes les premiers à espérer que ce plan fonctionne. Nous allons devoir prier pour que ça marche. Comme tout le monde. J'espère que Tony va y arriver. Alors allons-y. Quant à toi, la vieille, j'avais pas confiance. Hein. J'ai cru comprendre que tu avais parlé à Wanda ce matin. Dis-moi, comment va-t-elle? Depuis quand tu te soucies du bien-être de Wanda? Oh, depuis toujours. Tu l'as abandonnée. Mais entre autres. C'est vrai que je lui ai tourné le dos. Bien avant qu'elle ne tombe sous l'emprise de Lilith. J'ai cru que nous l'avions perdue, que nous ne pourrions pas la sauver. Personne n'avait jamais réussi à sauver la corruption. C'est depuis le début du jeu qu'il parle mal. Je pensais que c'était impossible. Mais Nico, il parle d'elle comme la dernière de Fallopoy. Ce n'est pas facile à admettre, mais je m'en veux d'avoir douté de sa loyauté. C'est à Nico que tu devrais présenter tes excuses, tu sais. Oui, oui, je sais. Mais je crains qu'elle refuse simplement de m'écouter désormais. Et c'est quand même. Je dois te demander, comment était-ce de purifier Wanda de la corruption de Lilith? Est-ce que ça a eu des effets étranges dont tu voudrais me parler? Présenter. Je n'imagine même pas. Je rêve d'Octone. C'est le sort le plus assommant que j'ai jamais censé. Maintenant que tu en parles, c'est subtil, mais j'ai remarqué quelques changements. Que veux-tu dire? Je ne sais pas comment dire ça, mais... Oui, dis-moi. Je crois que j'ai des cornes et une queue pointue qui pousse. Très drôle, Hunter. Mais je ne devrais pas rire. Et toi, tu ne devrais pas plaisanter sur un sujet pareil. Au moins, ton sens de l'humour est intact. Je suppose que nous en aurons besoin dans les jours à venir. Bon, je ne te dérange pas plus longtemps. On parlera plus tard. Que techniquement, t'as des cornes si tu veux, tiens, regarde. Je suis heureuse de voir que tu t'ouvres le truc. Ça va avec quoi? Avec le chien, j'imagine. Essayons de trouver un truc stylé. Hein. Restons sur le classique. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Je vais un peu revoir un peu mon deck. Ça c'est quoi, juste? Blesse tous les ennemis et redonne 20 100 de PV aux alliés présents dans la zone. Je pourrais le remplacer par quoi ça?
Ça demande réflexion. Goro. Parce qu'on s'en fout un peu. Voilà. Exceptionnellement, on va la tester et voir un peu ce que ça donne. On va pouvoir tester un peu Vanda en combat. Qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? Niveau personnalisation. Non, ça c'est cool. Le petit look de cavalière n'est pas trop mal dans le fond. Bien sûr, on peut avoir Vanda à poil. Putain, elle est fit, comme ma parole. Surtout, on peut avoir. On peut l'avoir en forme démoniaque. Et en forme MCUX. Ça lui fait un boule, sérieux. Sérieux. Allez, petite mission. Qu'avons-nous là? Vanda. On peut parler à Vanda, justement. Il en faut plus pour me faire peur. Quoi de neuf, Hunter? Je lance la séquence de l'écoutage. Des renseignements très utiles et des mauvaises nouvelles pour le monde. Choisissez votre cible, Hunter. Expire quand ça, dans 5 jours? Qui est-ce qu'on pourrait envoyer? On verra plus tard. De toute façon, on a 5 jours pour les faire. Merci, Hunter. On va attendre que certains héros guérissent. Et... déjà, on va avoir un peu quel coup que Vanda nous... Elle est où? Elle est par là. Ah, voilà. Notre... Oui, Hunter? Non, c'est bon. Nous discuterons plus tard, Wanda. Avec... Continuez à méditer. On va partir en mission. Et après, ça sera tout pour aujourd'hui, parce qu'il y en a plein le cul. Je sais pas qu'il y en a plein le cul, mais il commence à faire sombre. Je ne sais pas combien de temps j'ai joué au final. Il va bien avoir une petite mission simple à se faire. Épique, normal. Avec Nico. Avec Ghost Rider. Magic, mais Magic est blessé. On va y aller avec le capitaine. Petite mission facile. Avec Vanda. Et avec moi-même. Allons-y. Équipe très éclectique. On va voir un peu de quoi elle a l'air sur le champ de bataille. C'est une petite mission facile. Ouais, génial, c'est des mers. C'est d'éliminer la mer de la couvée. Rien de bien compliqué. Ah, tu dis ça comme si c'était facile, toi. Pas d'inquiétude. Il n'en démorde toujours pas. La sorcière rouge. La sorcière rouge maîtrise des capacités capables d'affecter. De l'art jaune. Placez là
judicieusement pour vous assurer d'atteindre les bonnes cibles. Intéressant. On a un gameplay un peu différent que les autres. Blesse tous les ennemis à proximité. Ah, et elle, faut la placer dans un coin. Ça. Ici, ça me semble pas mal. Je dirais même ici. Bon, ce qui va être chiant avec ce perso, c'est qu'elle va nous niquer tous nos déplacements, du coup. On s'est entraîné, je vois. Action remboursée, ça c'est cool. C'est là. On aimerait bien en avoir un peu nous aussi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'éteins la webcam parce qu'il fait vraiment sombre au final. Et voilà le problème. Un agent d'Hydra. C'est moi ou c'est un peu flou? Alors? Dans le retour, ça a l'air d'aller. What the fuck? Voilà. Putain. Et dire que c'est comme ça depuis tout à l'heure. Alors, allons-y. Ça fait du bien. À votre tour. Ouais, tout ça fait rien. Ils vont se lier à ce connard, mais c'est horrible. Elle est conne. C'est conne ou quoi? Désolé, je voulais faire un mouvement stylé. Bon, maintenant, là, c'est sûr, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est détruire les piliers. On va, si on va avoir une chance de l'avoir. Augmente la portée des capacités de zone de Vanda. Ça fait pas. Parfait. C'est quoi ça? Cible un ennemi pour qu'il explose au début du prochain. Ça c'est intéressant, mais. Forcément ce qu'on cherche dans notre vie quoi. Compris.
pourra que l'avoir avec les piliers de toute façon alors. Hein. Oui. Eh. Hey. Voilà, ensuite. C'est pas exactement ce que je voulais faire là, je voulais miser ça dans le pilier, mais bon. C'est une belle armure que vous avez là. C'est dommage de l'abîmer. Fini, oui! Ok, la situation devient critique. On va se concentrer sur les paliers. C'est ma peau. Sur les gros de préférence. Un peu long à charger. Ici, c'est très bien. Ensuite. Voilà. Ça va être long. Je ne cache pas que ça va être long finalement, cette mission. On va transformer elle en bombe. Impressionnant. Merde alors. On dirait que ça commence à rentrer. Vous essayez de m'avoir à l'usure. Ok, d'accord. Ah, génial. Rien ne peut nous résister. Je ne peux plus bouger. Eh bien, tu vas rester là. Ah là là, c'est la galère. Ouais, je déteste ces ennemis-là quand même.
Ça c'est nul, on a pas besoin de ça. On va quand même soigner vers Vanda du coup. Vous voyez tous un peu mieux vous placer. Vous n'étiez pas de taille pour ce combat. J'espère que voilà. Je vais en faire bon usage. Voyons un peu ce qu'on va pouvoir faire après. Tout à l'heure, on a des trucs de tactique à ce point. Lilith vous envoie à l'abattoir. K.O. Voilà, on peut se faire. Une technique intéressante. On peut jouer maintenant. Ça l'a pris. Assez perdu de temps. Il est à peine sorti. Ok. Ne me défie. Ok. Ok, elle se remet derrière sa protection. Génial. On peut jouer maintenant ? Merci. L'ennemi ne savait pas à quoi s'attendre, c'est certain. C'est exactement ce qu'il me fallait. Pose à faire ça. À moins que si je place Vanda ici. Alors. Oh bah du coup attends. Vos actions ont des conséquences. Pas encore gagné. Voilà. Lane m'a conseillé de mentionner votre mère. Apparemment, elle serait très libérée. Oh, oh. Oh, ça parle mal. Voilà. Ils ne s'attendent sûrement pas à ça. On peut remettre d'aplomb tous nos gars. J'ai une impression de déjà vu. Impressionnant. La Vanda, forcément. Ta mère. Nul ne peut s'échapper. Ah, ça devient pénible ça.
Alors, ce qu'on peut faire. Ma foi. Hypnotise-moi, ce connard. Allez, attaque la... celle-là, ouais. Allez, encore un coup. Juste briser un palier et ça devrait le faire. Et voilà le travail. Et voilà. Vous avez réussi. Beau travail. Ouais, ça va plus jamais. Oh la vache. Ah, c'est les ennemis connectés là. Oh, je peux pas les encadrer. Pas mal, mais je peux faire mieux. Les poses de Vanda, qu'est-ce qu'on a? Intéressant. Hunter et Scarlet Witch. Enfin réunis dans les mêmes comics. C'est pas beau ça. On doit l'avoir maintenant quelque part. Voilà, là, là. Il est là. Donc juste un truc. Parfait. Voilà. Wow. Pareil que tout le monde est blessé.
Non. En fait, ça va. En fait, ça va. Ouh, maintenant que Wanda est revenue, j'ai l'impression que la bande est enfin au complet. J'ai hâte de passer du temps avec elle en tête à tête. La sorcière rouge m'avait manqué. Laisse-lui un peu de temps, Robby. Elle a beaucoup souffert. Il faudra laisse-la finir son bouquin. Que les choses reviennent à la normale. À la normale? Depuis quand on est normaux, nous? Mais Nico a raison. Wanda risque d'être un peu plus froide qu'on ne le pense au début. Je veux juste qu'elle sache qu'on l'aime et qu'on est heureux qu'elle soit de retour parmi nous. On pourrait commencer par quelque chose qu'elle connaît, comme une soirée film. Tu lis dans mes pensées, Blade. Waouh, énorme! Tu peux deviner ce que j'ai en tête? Ça marche pas sur les écervelés, Robby. Bref, organisons une soirée film en l'honneur de Wanda. Je pense que ça lui fera très plaisir. Putain, qu'est-ce que vous êtes chiant dans la vie? Alors, est-ce qu'on a des héros blessés? Trois jours. Génial. Faudrait l'envoyer aller chercher des techniques parce que. En fait, elle a quand même des techniques de merde à finir. Si le temps continue de se dégager comme ça. Enfin, heureusement que je ne crois pas le soleil. Wanda est de retour. Ça prouve bien que la prophétie n'est pas gravée dans le marbre. Merci de m'avoir laissé t'accompagner aujourd'hui. Je me sens déjà mieux. Mais waouh, combattre des hordes de démons, c'est presque aussi épuisant que d'affronter les Avengers. Oh, j'avais oublié à quel point c'est reposant de se caler devant la télé après une longue journée de combat. C'est vrai que tu te bagarres beaucoup, toi. Vous avez l'air d'avoir bien pris vos marques, malgré... Je préfère ne pas en parler. Alors, tu veux te joindre à nous? Excellente idée. Ça marche. C'est Logan qui est là. D'ailleurs, ça me fait penser que ça aurait été... Au lieu de faire les Midnight Suns, ça aurait été 100 fois mieux qu'ils auraient fait un X-Men, pas X-Call, quoi. Ces trois femmes sont des sorcières? En effet. Elles n'en ont pas l'air. C'est parce qu'elles ignorent qu'elles ont des pouvoirs. Pour le moment. Dans tous les cas, il ferait mieux de les cacher. Ah, ils sont en train de regarder Charm. Vous avez beaucoup de points communs avec elle. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous êtes une sorcière qui essaie aussi, de s'intégrer. Aussi, vous avez l'air sorti d'une série télé des années de fin 90. Enter. C'est ça, ils sont en train de regarder Charmaine. Vous étiez ironique, comme Nico ou Iliana. Ou à peu près tout le monde ici, à part Steve. Tu commences à nous connaître, c'est bien. De toute façon, Steve, c'est ça a toujours... Que j'ai retenu, Captain America, ça a toujours été un héros d'ici qui s'est perdu dans Marvel. Hein. Pas besoin d'un dessin. Tu as vécu à l'époque des chasses aux sorcières de Salem. Je n'étais qu'une enfant, mais je me souviens que Caretaker et Agatha étaient terrifiés à l'idée d'être démasqués. Je les comprends. Parfois, j'aimerais juste être... normal. Et surtout que toi, t'es sorcière et mutante, alors franchement, ça fait chier. Moi aussi, je me demande parfois ce qu'aurait été ma vie si... Si tu n'avais pas été toi. En résumé, oui. Agatha m'encourageait à accepter ma véritable nature. On crée vite des liens avec le petit Wanda. Bon, changeons de sujet. Concentre-toi sur le film. On arrive à ma scène préférée. Ces sorcières sont vraiment attirées par cet homme affreux. Eh ben, c'est le diable, tout de même. Mais pourquoi elles ne le transforment pas en crapaud ou en poussière? Parce que ce sont de gentilles sorcières, Hunter. Comme j'espère le devenir un jour. Ou alors, ils sont en train de regarder le film avec Cher, Michelle Pfeiffer et Jack Nicholson, là. Intéressant. Bon ben, on est deux... On est déjà presque pote avec Wanda. On n'a plus qu'à espérer que Banner ne se change pas en Hulk. Vous voyez quand je vois ça là, Wolverine sous le canapé là, vous imaginez? Ils auraient fait, au lieu de faire les Midnight Suns dont tout le monde se bat les couilles, ils auraient fait un Tactical X-Men. Ma sorcière préférée est de retour. Là on serait dans la city du Xavier. Mais j'ai vu le coffre, Charles. Mais je m'en fous, Charles. On a retrouvé Wanda, recadré Johnny Blaze, et on est sur le point de pulvériser le parchemin de pouvoir. Non, en vrai, là, on serait dans la psychologie de la vieille, il y aurait Cyclope, Colossus, Wolverine, Diablo, tellement hâte que Lilith nous fiche enfin, visiterait la psychologie de la vieille et tout.
Ça serait 100 fois mieux. Oups. Et ça serait mieux vendu également. Alors, les trucs qu'on a débloqués. Nayodna. Oh. Avec cette espèce de petite milf rouquine, hein, ça va gagner quelque chose. J'ai presque envie d'acheter son look cavalière, mais on a gagné une tenue pour machine aussi là. Le club de Salem, superbe. Superbe, non. Voilà. Voilà une bonne nuit de sommeil.